Salut, c'est Marty. Je sais pas ce qui se passe chez vous, mais à Laval, ça va déménager un matin. Je vais vous montrer un exercice. La dernière fois, on avait travaillé les biceps. Alors, je vais vous montrer un autre exercice pour les biceps. Écoutez, c'est un incontournable dans la musculation. Ça cible principaux les faisceaux, le biceps brachial, biceps antérieur, l'avant-bras brachio-radial. Je sais que c'est des grands termes, là, mais en fait, c'est juste pour vous dire qu'est-ce que ça travaille. Vous gagnez énormément de force avec cet exercice-là. On appelle ça, c'est une barre Ezekiel. C'est une barre coudée qu'on appelle, qui est moins traumatisante pour les poignets qu'une barre allongée droite. Alors, je vais vous montrer, je vais aller chercher ma barre, puis je vous montre ça tout de suite. C'est une barre comme ça ici. Vous voyez, elle a est incurvée ici et de l'autre côté. Fait que c'est une barre, c'est moins traumatisant pour les poignets. Alors, vous fléchissez un peu les genoux. Vous mettez les mains la même largeur que vos épaules ici en haut. Okay. Vous gardez les coudes collés et vous remontez la barre comme ceci. Vous voyez? Si je peux me mettre de côté, vous voyez, vous descendez comme ça ici. Vous fléchissez légèrement les genoux. Vous pouvez en faire 3 x 12 ou 3 x 15 avec cette barre-là. C'est un excellent exercice pour gagner vraiment de la force. Fait que je vous reviens avec d'autres exercices. Lâchez pas, puis je vous surveille, là. Fait que pratiquez-vous, puis exercisez avec la barre Ezekiel. Ciao, à une prochaine!